Salut à tous et nous voilà pour une nouvelle vidéo FIFA 20 saison en ligne. Aujourd'hui on va attaquer la 8ème journée de Division 2, toujours avec Sheffield. Alors ceux qui ont vu le match hier, enfin du moins victoire donc le dernier match avec Sheffield. Donc petit rappel, désolé si pour l'instant je ne fais pas de live, c'est normal. C'est la fin du confinement, mon réseau avait super bien marché pendant 2 mois et demi. Et là voilà, c'est la fin du confinement, donc bizarrement je m'y attendais un peu, le réseau remerde, donc je peux plus faire de live. Voilà, c'est pour ça que vous me voyez plus sur ma chaîne pour l'instant, à faire des lives de pêche, des lives de chasse, des lives de FIFA. Donc voilà, c'est pour ça, c'est la merde. Je peux jouer en ligne, mais le problème c'est dès que je mets en live, et ça me fait tout laguer. Ça me fait laguer, ça me fait une mauvaise image, ou alors il y a le son mais il n'y a pas l'image. Voilà, ça me fait souvent ça. Donc voilà, vous allez avoir ça pendant un petit moment, je pense, des vidéos enregistrées. C'est pour ça que vous ne verrez pas ma petite tête en haut à droite, comme d'habitude. Donc voilà, en plus ça met du temps à y publier. Donc voilà, je fais les vidéos le matin, ça met presque 10 heures, voire 12 heures à les publier sur ma chaîne. Et quand je verrai que ça mettrait genre une vingtaine de minutes, le réseau sera revenu. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la merde, hein. Ça peut durer plusieurs jours comme plusieurs semaines. Donc voilà. Donc en tout cas, on va attaquer cette... Ça me fait bien chier quand même, parce que voilà, j'aime bien faire des lives, ça me passe le temps. Surtout que moi, pour l'instant, je suis encore en mode chômage. Donc c'est vrai que ça me passait énormément le temps. Donc du coup, je fais plus de live du tout. Et ça m'embête un peu. Donc on va enchaîner un quatrième match avec Sheffield United, qui est une très bonne équipe, hein. Je prends vraiment plaisir à jouer avec cette équipe, hein, avec d'ailleurs vous l'avez vu la victoire en finale de coupe avec cette équipe. Alors on va essayer de évidemment enchaîner les victoires encore. Oh, dommage. Alors hier le match a mis du temps à se dégoupiller, hein. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir le premier but. Et le premier but a complètement libéré le match. Allez, c'est à l'extérieur et c'est contre Saint-Etienne, je crois. Ah ouais, Saint-Etienne, Sheffield United. Allez, un petit club français, ça faisait longtemps. Et c'est parti pour cette 8ème journée de Division 2. Et une première faute logique. Je suis très en retard. Oh, attention. Il faut le temps de rentrer dans le match comme d'habitude. Ah là, c'est récupéré. Ah, magnifique ça. Alors, on sort bien la balle. Ah, là, la passe n'a pas été assez appuyée. Ah, ça joue vite, hein, du côté des verts. Ah, bien récupéré. Bonne défense là. Ah, ça va très vite, hein, du côté de Saint-Etienne. Attention. Il est hors jeu de toute façon. À moi de m'adapter très rapidement à son jeu. Ah dommage. Dommage, dommage. Ah, il attend un départ de Cazeri dans la profondeur. Alors, il faut jouer un peu avec les feintes, hein, parce qu'il a l'air de bien lire le jeu. Donc il faut évidemment deviner. Où il défendrait.
Oh, c'est passé, dommage. Dommage, dommage. Ah, le mauvais contrôle, mais ça revient. Ouais, mais mauvaise passe là. Ouais, il a pas joué assez vite. Il a pas joué assez vite. Il a pas joué assez vite. Il aura pas. De toute façon, j'étais sur mon mauvais pied. Allez, bonne défense encore. Oh, attention. Voilà, compliqué de trouver une solution. Ouais. Très compliqué là. Sur un match équilibré pour l'instant, mais pas facile de passer les défenses. Voilà, il est passé, je sais pas comment. Ouf. Attention à ce genre de ballon. Oh, magnifique. Magnifique. Oh, la tête. Il passe pas loin. Ah, il a pas pu piquer. J'ai pas réussi à piquer ma tête. Alors que l'action était évidemment. Le centre était bon. Ouais, faut surtout pas se jeter. Parce qu'il attend évidemment un départ de Caseri en profondeur. Dommage. C'était un peu compliqué de trouver une solution. 33e minute, toujours 0-0. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Ouais, mais là, la passe est mal jouée. Attention, ce genre de ballon. Ouais, la faute est logique. Il va prendre un carton. Ou c'est le gardien, je sais pas. En tout cas, elle partait bien cette balle. Elle arrête encore une fois. Voilà, ça devient chaud. Ça devient chaud là devant les buts. Attention. Allez, dégage-moi ça, bonhomme. Ouais, mais c'est mal dégagé, ça. Allez, passe ratée pour l'instant. Là, j'ai du mal à me trouver. Mais face à un excellent adversaire, heureusement que j'arrive bien à défendre aujourd'hui là. Ah, dommage qu'elle ait pas passé cette balle là. J'ai du mal aussi à trouver beaucoup la profondeur. Et à la fin de la première mi-temps, domination de Saint-Étienne, j'avoue. Mais bon, je me suis créé comme une belle occasion qui aurait pu changer la première mi-temps. Heureusement pour moi
Je suis vigilant défensivement aujourd'hui. Il n'y a pas eu tant de tirs que ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué de trouver une brèche, de trouver un trou, une profondeur. Et on va voir si cette deuxième mi-temps va être différente, va changer quelque chose. Voilà, il défend bien aussi ce joueur. Ils font très très bien. Ouais, le temps que mon défenseur réagisse, c'est incroyable. Et le temps qu'il a mis à venir là, vous avez vu? Oh là là, et heureusement qu'il a pas cadré parce que là j'étais battu. C'est assez ouf quand même, le temps de réaction du changement de joueur. Oh là là, cette passe de merde. Allez, c'est récupéré, attention. Oh, oui, magnifique! Ouais, l'ouverture du score pour Sheffield sur sa deuxième occasion. Voilà, j'ai trouvé le petit trou qu'il fallait. Et ça fait 1-0. Regardez, juste le petit trou, j'ai attendu qu'il parte et hop, la petite talonnade qui va avec. J'ai réussi à frapper avant qu'il revienne. Car il avait bien encore défendu, hein, il avait bien revenu. Allez, ça va le réveiller. Ça va me créer des espaces, je pense. Voilà, c'est trop fort ça. C'est mal joué. Attention de ne pas me perdre des ballons bêtement là. Il va jouer plus rapidement là, c'est clair. Ouais, il va égaliser. Et non. Et non. Bonne sortie du gardien. Ça va être chaud. Oui, ça va être chaud cette deuxième mi-temps. Ah, il va m'enfermer là-bas. Voilà, si j'arrive à passer. Oh, heureusement qu'il la contre. Parce qu'elle partait bien encore cette frappe. Allez, ça a réveillé le match. Eh bien, un but, ça débloque toujours la situation. Et là, il y a des trous. Ouf, ouais, la tête décroisée là. Allez, attention à Cazerie là, parce que là. Ouais, bonne défense encore une fois. Heureusement que je suis vigilant. Ah, il veut jouer le hors-jeu. Il veut jouer le hors-jeu. Donc à moi de jouer avec ça aussi. Ouais, c'était tellement téléphonique là ce qu'il allait faire. Oh là là là, mais il est nul dans les passes, lui, c'est incroyable. Allez, faut pas que je me jette dessus comme un veau. Tranquillement, on regarde le jeu. Là, c'est dommage, ça lui revient dessus. Ouais, magnifique. Allez, ah, il y avait peut-être mieux à faire. Attention, faut pas que je me jette dessus, comme j'ai dit, parce que là, je suis en train de faire le con. Ah, et voilà. Ouais, ça allait bien finir par rentrer, hein. Ah, ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, il joue bien en face, hein, il joue très très bien. Ah.
En même temps, ça va. Heureusement que je devine un peu son jeu. Il y a la place, hein. Il y a la place pour en marquer encore. Hein. C'est juste qu'on a. En... Faut juste que je sois très vigilant en défense, moi, parce que là. Heureusement que j'arrive bien à lire son jeu, là. Ouais, mais là, c'était tellement téléphoné. Voilà! Ah, fait chier! Ah, son petit crochet de merde qui m'a niqué là! Putain! Oh là là! Ah ouais. Ah, il y a un rouge aussi. Ah, mais c'est quoi cette passe de merde? Allez, c'est bien. Allez, c'est fini de toute façon. Voilà. M'énerve quand de prendre un but comme ça. Putain! Ah là 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 là, si ça me gonfle quoi. Ah, ça m'énerve de prendre des buts comme ça à la fin. Comme d'habitude quoi. Ouais bon allez, c'était un bon adversaire, c'était compliqué à dire qu'il mérite sa victoire hein, parce que j'avoue là que c'était compliqué, mais bon ça me fait chier parce que du coup putain faut que je gagne absolument mes deux prochains matchs. Plus le droit à l'erreur là pour la montée en D1. Ah ça me casse les couilles quoi. Casse les couilles. Ah, c'était un match très compliqué hein, mais bon. J'avais bien défendu, puis voilà, les 5 dernières minutes, déconcentré comme d'habitude, pas dedans. Parce que t'as la pression et tout, voilà, t'es pas concentré. Voilà. Comme d'hab, hein. De toute façon, les dernières minutes, c'est toujours les plus chiants à défendre. Et les bons joueurs le savent, hein. Moi le premier, bon, je suis pas un bon joueur, mais je sais que. Défensivement, tu fais plus de conneries à la fin que voilà. Et puis moi, j'en ai fait une là. Voilà, j'ai pas, j'ai attaqué alors que j'aurais dû rester debout. Voilà, c'est de ma faute. Bon, en tout cas, bonne petite série avec Sheffield en comptant la coupe. Voilà, ça aurait été une bonne équipe. Fin des clubs anglais, donc mes chers amis, fin des clubs anglais. Donc la prochaine fois, eh ben, on attaque les clubs italiens. Voilà, on attaque les clubs italiens. Et donc on va faire tout de suite le tirage au sort de ce club italien. Donc voilà, fin des clubs anglais. Alors italien. Allez, au hasard, on regarde pas. Top! Et ça sera bah, la Juventus pour commencer. Voilà, on commence avec un gros. La Juventus, donc pour commencer demain. Donc une nouvelle série de matchs. À demain pour une nouvelle journée FIFA. Bye bye!